Bonjour à tous, ici on se retrouve sur Sylmac4D, donc nous allons continuer sur les connecteurs. Allez hop, c'est parti, connecteurs, là nous étions arrivés sur curseur, donc on va faire curseur de torsion. Je vais mettre curseur, on le voit. Là il se met en rouge. Pour qui, pourquoi? Ben, j'en sais rien. Bon, c'est pas grave. Ah, qu'est-ce qu'il fait là-bas, celui-là? Voilà, ah, c'est mieux. Voilà. Ici, vous voyez, ben, tout est. Ben, c'est un carré. Hein. Enfin, c'est. Voilà, c'est un, enfin, c'est un cube, c'est carré, il y a les angles, tout ça. Donc, ici, nous allons passer sur curseur de torsion. Et là, vous voyez, c'est plus cylindrique. Enfin, c'est cylindrique, c'est pas plus cylindrique, c'est cylindrique. Voilà. Parce que, bon, c'est torsion. Donc, peut tourner. J'ai oublié de préciser sur le tuto précédent. On avait fait le mouvement avec cette partie bleue là, qui s'est descendait le long ici, soit à droite, ici à gauche, enfin de haut en bas, d'un sens ou d'un autre. Mais on peut faire de l'autre sens, hein. Celui-là, j'avais mis en A et celui-là, j'avais mis en B. On peut faire le contraire. On peut mettre celui-là en B et celui-là en A. Donc, du coup, c'est celui-là qui ne bougera pas et c'est la tige ici qui bougera sur cet axe-là. Voilà. Donc, on va voir ça. On va faire ça là-dessus. Ça va être pareil. Voilà. Bah là, bah, du coup, je vais mettre un cylindre que je vais mettre plus Z. Donc, déjà ici, à chaque fois, voilà, ça serait bien qu'il soit visible directement. Celui-là, ce serait beaucoup plus simple. Ok, le rayon. Voilà, je vais le baisser et puis je vais le mettre à la grandeur comme ça. Ok. Là, par contre, je vais mettre un cube pour qu'on le voie tourner. Parce que si je mets un cylindre, on ne le verra pas tourner au cas où. Ouais, un cube. Allez, hop. Ok. Et là, je vais mettre 50. 50. Voilà. Ok. Donc, bah, j'ai dit que j'allais faire le contraire. Je vais plutôt mettre celui-là ici. Celui-là, ça va être le A. Et celui-là, ça va être le B. Voilà. Et du coup, ici, dans connecteur, objet, le A, bah, ce sera mon cube. Et le B, ce sera le cylindre. Ok. Donc, du coup, ici, le A, simulation, corps collision. Et puis ben celui-là, ça va être encore rigide. Là, par contre, là, si je le laisse droit, ça risque pas de faire grand-chose. Je vais le mettre comme ça. Quoique ce cube ici, j'aurais pu mettre 50 ici aussi. Pas besoin qu'il soit aussi long. Voilà. Donc si je fais l'animation, là, on voit, c'est le cylindre qui descend. Par contre, ici, je peux, ici, hop. Tac, je vais faire ça en entendant. Voilà. Qu'on voit. Voilà. Ici, bah, hop. Torsion, il n'y a pas de torsion en fin de compte, hein, si on regarde. Voilà. Par contre, je vais peut-être faire le contraire du coup. Je vais plutôt mettre celui-là, là. Celui-là, là. Celui-là, je vais renommer plutôt A. Et celui-là, B. J'ai enlevé la majuscule, tiens. Pas grave. Donc, le B, ben, il sera là. Et puis, le A, il va être au-dessus. Voilà, connecteur, le A, objet A. Et ici, objet B, OK. Donc, si je fais l'animation, bon, c'est toujours celui qui tombe, c'est normal, puisque les tags sont pas bons. Donc le A simulation corps collision, ben celui-là corps rigide. Voilà. Par contre, je vais le remettre un petit peu plus grand ici. Oups. 200. Voilà. Parce que moi, j'aurais bien le voir tourner. Hein, parce que bon, j'avais fait l'autre, c'est pour faire voir qu'on peut mettre soit l'un ou l'autre en A ou en B. Mais là, je préfère que ça soit comme ça je verrai
Voilà, je verrai la torsion de ça. Bon, là, il n'y a pas de torsion. On voit rien du tout pour l'instant. Donc, dans ce cas-là, je vais remonter ici. Bon, les réglages sont les mêmes. Hein. Là, ici, hein, voilà, centre de masse, voilà, ainsi de suite. Hein. Ok. Ignorer la collision. Le rebond. Limite inférieure. Donc, inférieure, bah, c'est, il est dans le bon sens. Je vais le mettre là. Donc, voilà. C'est toujours pareil. Par contre, je vais peut-être le mettre un peu plus loin. Je vais mettre du rebond. Je vais mettre 70, tiens, pour voir. Donc, ouais, ici, je vais plutôt mettre 250 ou 200, ça aurait été aussi. Alors, on a un joli rebond mine de rien, j'aime bien. J'adore. Bon, là, il tourne pas. Il reste droit, en fin de compte. Hop. Ok, donc je vais retourner ici. Bon, ici, nous avons supérieur, hein, c'est pour en haut. Mais là, pour en haut, pour l'instant, ça ne sert à rien, puisqu'il est dans ce sens-là. Limite angulaire. Si je le mets... Et... Ça tombe pas toujours. Il est là justement pour éviter qu'il dépasse de cette zone-là à cette zone-là. Disons qu'il peut aller de là à là. C'est parti là, il ne peut pas y aller. Mais là, pour l'instant, bah, il fait rien du tout. Du coup, ici, axe de référence. Si je le mets là, vous allez voir. Voilà. Bon, là, il tourne. Mais c'est pas top. Voilà. Du coup, je vais peut-être le bouger. Celui-là. Non, je vais plutôt bouger là. Voilà. Si je fais ça. Du coup, il tourne plus. Si je le fais mordre dedans, vous voyez, il est dedans. Hop, ça va le pousser. Et vous voyez que là, il tourne. Et puis là, il s'arrête ici. Voilà. Donc, du fait de l'avoir mis ici sur l'intérieur, ici, hein, le pas, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. On peut mettre un peu moins. Ici, par exemple. Là c'est juste dessus je pense, ouais c'est juste dessus, ça va pas le faire, non, exact, donc juste un clic de façon que ça le repousse et voilà. Bon, si je veux que ça repousse de plus, hein, oups, excusez-moi, je suis parti en mauvais sens, là il va l'expulser beaucoup plus vite, voilà, et vous voyez qu'il cogne bien ici, donc vous voyez cette partie là et ben il n'ira pas dans cette partie là. La seule qui est à droite, c'est celle qui est libre ici. On n'a rien dessus. Donc voilà pour la rotation. Si je mets ici un peu plus, et ça le repousse beaucoup plus vite. Bon, ici, hop. Je remets en moins. Voilà. Et là, j'ai plutôt ici mon cube. Je vais faire une petite rotation comme ça. Vous voyez, j'aurais dû ici, hop, garder affiché. Donc voilà. Là, ça fait en sorte, je dis, bon, tiens, de là à là, tu ne passes pas. Voilà. De là à là, il passe pas. Ici c'est bien de bouger, mais voilà, moi je dis par exemple la moitié, on va dire à peu près la moitié ici, c'est mon cube que je voulais bouger, hop. Voilà, et puis celui-là je vais plutôt le mettre ici comme ça, voilà. Et vous voyez, ça l'a repoussé et puis ça fait faire une rotation
tranquillement. Ok. Bon, quoi dire en plus dessus? Pas grand-chose puisque les réglages après ça ne change pas grand-chose. Bon, ignorer les collisions, si je l'enlève, vous voyez, c'est toujours pareil. Donc, vaut mieux qu'il reste couché. À part ça, tout est dit. Donc, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Voilà. À part, bon, là, bon, on peut, là, une fois que je suis arrivé là, hein, je peux remettre ici, par exemple, curseur. Voilà. Là, si je fais lecture, bien sûr, lui, il ne tournera pas. Pourquoi qu'il ne tourne pas? C'est parce que ici, curseur de torsion, j'ai limite angulaire que je n'ai pas ici ce curseur de torsion, ce curseur. Voilà. Donc, si vous voulez pas qu'il tourne, qu'il reste tout à fait droit, c'est le meilleur moyen. Et par contre, je vais essayer comme je suis là, tiens, hop. Prendre ça. Alors, si j'ai un objet comme ça, ouais, si je fais lecture, vous voyez, même si il y a du poids ici, plus de poids là que là, lui ne tournera pas. Par contre, ici, si je mets bien sûr ce torsion, ouais, et là il va tourner puisqu'il n'y aura plus besoin de cette partie là, mais là du coup il tourne pas parce que. Il aurait fallu que je fasse plus dans l'autre sens que dans ce sens-là en fin de compte. Celui-ci, je vais peut-être re-ramener là-bas. Et puis celui-ci, je vais faire plus long. Voilà. Et là, on voit. Voilà. Ok. Voilà la différence déjà entre les deux. C'est ça. Ok. Bon, ben j'ai tout dit dessus, j'ai rien d'autre à dire dessus, hein. Comme ça on a vu les deux, comme ça on a vu la différence entre les deux. Ben, nous verrons planaire, donc vous voyez ce que c'est planaire. Donc ça sera sur le prochain tuto. Ok, donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto, et puis ben, je vous dis à la prochaine, allez, ciao.